Les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon deuxième line avec Winreed. J'espère que tu vas bien. Je vais commencer par gommer le dessin, puisqu'en fait, je l'ai fait directement sur la feuille, qui est une feuille Bristol, donc plutôt épaisse, avec une gomme mie de pain. J'aurai également le porte-plume de l'auteur que vous connaissez déjà grâce à Haru, avec une plume GPN qui est toute neuve, que j'ai achetée parce que la mine GPN que j'avais avec le déletteur me plaisait moins. Donc voilà, en encre j'aurai la Black 2 de déletteur également, qui est Copic Friendly. Et il faudra également un mouchoir pour nettoyer la plume, comme ceci. Et puis un brouillon pour bien tester la plume avec l'encre, ainsi qu'un verre avec de l'eau et une seringue au cas où. Voilà, bon bah c'est parti! Pour la plume qui sera sur votre porte-plume, il faut absolument que vous trempiez, que vous la trempiez en fait jusqu'après le trou. Le trou doit être dans l'encre, sinon votre plume sera mal imbibée. Vous devez également la nettoyer à peu près tous les 4 à 5 trempages pour éviter que l'encre qui sèche soit impossible à enlever. Parce qu'en fait, il faut absolument pas la mouiller. Quand vous la nettoyez, il faut absolument que ce soit juste avec un petit mouchoir. Thank you.
Pour le décor, je vais changer de mine. Je prends la mine Sajipen, qui est, contrairement à la Gpen, beaucoup plus dure. Du coup, c'est plus simple de faire des traits non déliés. En fait, la mine Gpen, c'est celle qu'utilisent les mangaka pour faire à peu près la plupart de leurs dessins. Et c'est pour ça que vous voyez des traits qui font des jolis déliés. La Sajipen, c'est beaucoup plus pour les débutants. Voilà! Alors, évitez de faire ce que je suis en train de faire, parce que c'est tout simplement une honte, puisque en fait, je vais faire tous mes traits de décor à main levée, et vous allez voir, ça va pas être forcément joyeux joyeux. Ah, les traits sont vraiment pas tous très très droits. Bon, j'ai fait de mon mieux et ça aurait pu être pire. J'ai trouvé que le dessin était pas forcément très vivant. Bon, hormis Winry, mais vu son état, elle est pas forcément très vivante non plus. Du coup, j'ai voulu rajouter quelques outils parce qu'il faut pas oublier qu'elle est mécanicienne d'Automail. Donc, je me suis dit que faire quelques petits outils, des clés, des pinces, des câbles qui traînent par-ci par-là, ça rajouterait un peu de cachet. La vidéo d'aujourd'hui se termine ainsi, j'espère qu'elle vous a été utile, que vous l'avez aimée, j'espère que vous avez pu apprendre quelques petites choses et puis si vous le saviez déjà, tant mieux. Si ça vous a plu, si vous voulez un petit peu plus d'informations dans les prochaines vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à le dire, à liker, à partager, à la montrer à votre grand-père quand vous irez le voir. Bref, n'hésitez pas à partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de week-end et je vous fais des bisous. À bientôt les loulous !